Avec cette chienne-là qui est plutôt jeune, en fait, j'ai passé ce qu'on appelle la classe 1, qui est l'échelon supérieur après le brevet d'obéissance. Et bon, j'étais plutôt contente puisque pour une très jeune chienne, en fait, je loupe l'excellent de pas beaucoup puisqu'elle a bougé sur une absence qui est un exercice un peu compliqué pour un jeune chien, en fait. Il faut avoir deux excellents avec deux juges différents pour passer en classe 2. Et après, il reste un dernier échelon, le niveau 3. Pour l'instant, il n'y a aucun chien en Polynésie qui peut faire le niveau 3.